Vous savez, c'est quoi la génération sandwich? Non, génération sandwich. Quand je parlais le privilège quand tu habitais avec tes parents, papa, moi aussi je suis papa, mon garçon est toujours à la maison. Côtoie comme trois générations. Côtoie la génération de Sam, elle est beaucoup plus jeune. Sam, viens prendre pour ton frère, s'il te plaît. Je côtoie toutes ces générations-là. La plus jeune génération, Sam, ma génération, je côtoie ma génération aussi, c'est celle de Farah, puis la vôtre, qui est une toute autre génération. Okay? Vous avez vos propres façons de faire, vos propres façons de penser. Puis, tranquillement, je me retrouve à un peu épouser cette façon de faire-là. Tu sais, des fois, tu me disais, ah, quand tu auras tel âge, tu comprendras, tu feras. Puis, je le vois là. Fait que la génération sandwich, c'est tous ceux qui sont, mettons, entre 45 à 65, à 60, 65, qui sont dans la position où est-ce qu'ils s'occupent de leurs enfants. Tu t'occupes pas de moi, là. Comment je m'occupe pas de toi? Yo, Madji, comment? Madji, je paye tout. Hein? Madji. Comment tu payes tout? Ouais, OK, good, tu payes tout, tu payes quoi? Je paye juste pas le loyer puis la nourriture. C'est mais... qu'est-ce qui coûte le plus cher? Même tous nos achats, c'est fait en fonction de deux générations. C'est ça, la génération sandwich. C'est ma génération qui sont dans cette position-là.